Bonsoir, bonsoir à tous derrière l'écran. Quel grand bonheur de vous retrouver ici à l'École des Arts Joailliers dans le cadre de cette magnifique exposition. Ceux qui nous ont déjà suivis, qui ont eu la chance de venir nous voir la semaine dernière en direct pour la reprise des conférences en présentiel, bien écoutez, félicitations, merci. Et ce soir, donc à travers l'écran, avec Valentina Brucoleri, co-commissaire de l'exposition, et donc moi-même, Olivier Segura, directeur scientifique. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans l'exposition pour une visite guidée et visiter ensemble quelques vitrines. Et donc après une première exposition sur le sujet de l'or à l'École Asia-Pacifique de Hong Kong, l'École des Arts Joailliers à Paris a le bonheur de présenter donc une version adaptée de cette exposition dans nos locaux sur l'art de l'or, mais aussi les symboles de l'or en Chine et plein d'autres choses qu'on va découvrir plus tard. Exactement, ensemble. Donc toute cette belle collection basée sur une seule collection, quelques prés. Exactement, de la collection Meng Diexuan, donc c'est une collection particulière de Hong Kong, et quelques prés de la collection de minéraux de la Sorbonne, du Sorbonne Université et du Musée national des arts asiatiques, et Oui. guillemets, qui viennent compléter le propos Exactement, curatorial. dans cette belle discussion entre les œuvres. Et donc Meng Diexuan, qu'est-ce que ça veut dire cette collection? Et c'est un nom donc qui dérive du chinois, mais bien évidemment, ça veut dire l'atelier du rêve du papillon. C'est une référence à un texte taoïste tiré du Zhuangzi qui raconte donc d'un lettré qui rêve d'être un papillon, ou c'est peut-être finalement le papillon qui rêve d'être un lettré. C'est une symbolique en fait du côté éphémère de la vie, mais surtout aussi d'une collection. Et donc les collectionneurs qui se présentent comme passeurs du savoir et d'une collection et qui ne sont jamais vraiment eux-mêmes les Les propriétaires. détenteurs, les propriétaires. Donc merci, un grand merci à eux pour cette exposition, pour ces prêts. Et puis ben, merci à vous de nous suivre. Nous prendrons des questions à la fin de la présentation. Je sais que Céline, nos médiateurs, sont là pour répondre à certaines de vos questions. Donc n'hésitez pas, je sais que vous êtes connectés du monde entier. Donc à nouveau, merci de nous suivre. Première salle ici de l'exposition. Oui, donc dédié à l'or. Et d'où est-ce qu'il vient l'or? Quelles sont les propriétés? Dédié à cette formidable matière de l'or, on a la chance d'avoir ici un bloc avec de l'or assez incroyable, un bloc avec du quartz, de l'or, donc qui nous a été prêté par la collection de minéraux Sorbonne Université, où l'on va voir vraiment comment l'or va cristalliser à l'intérieur de la matière. Je crois que vous avez des gros plans qui peuvent passer, vous allez pouvoir zoomer et voir vraiment cette matière incroyable. L'or, il a plusieurs réalités. D'abord, l'or en tant qu'atome, puisque ce sont des atomes d'or qui vont s'associer ensemble pour former des molécules, et ces molécules, en fait, elles vont cristalliser sous la forme de cristaux, puisqu'on l'oublie ou on ne le sait peut-être pas, mais l'or cristallise, forme des cristaux. C'est un monocristal composé à quasiment 100% d'atomes d'or. Et on les voit bien ici, dans cette vitrine, c'est pour ça qu'on a choisi ces quelques échantillons qui vont nous montrer justement comment l'or va cristalliser le système cristallin, le système cubique, et donc former ces magnifiques cristaux. Quand ils sont formés et trouvés comme cela en gisement primaire, c'est-à-dire directement là où l'or a cristallisé, on va parler d'or des montagnes. Très souvent, l'or est associé au quartz, comme dans ces quelques exemples. Et puis vous connaissez aussi très certainement les pépites d'or que l'on va trouver dans les rivières en tamisant les sables des rivières. Et donc on va parler, c'est un exemple que vous avez ici qui ressemble un peu à une passe de crabe. Je ne sais pas si les équipes arrivent à vous le montrer. Mais voilà, on va parler de pépites et on va parler d'or des rivières. Donc or des montagnes, or des rivières, c'est comme ça que se forme l'or. L'or, on peut le dire, qui est plutôt rare en Chine aux époques qui vont nous intéresser. Effectivement. Et je vois une monnaie d'ailleurs romaine au sein d'une expo sur l'or en Chine. Effectivement. Alors, on a voulu présenter cette pièce qui s'appelle un solidus. C'est une pièce extrêmement importante pour les joailliers, pour nous, parce qu'elle va marquer la propriété de l'or 24 carats. Cette pièce, elle a été en fait, ça s'appelle un solidus, qui a été développé, le système monétaire, en 310 après notre ère, par l'empereur Constantin Ier. Et donc, il a voulu changer de système monétaire, il a créé cette pièce. Cette pièce, elle est en or pur, 100% or, et elle pèse 4,50 g, donc 24 carats. Donc, c'était le moyen pour tous les habitants du pourtour méditerranéen de pouvoir avoir une référence sur l'or pur et sur le poids. Donc, 24 carats égale or pur. Et depuis, on parle d'or pur 24 carats, et vous connaissez les alliages, quand on vient mélanger avec d'autres éléments
pour former les bijoux. Par exemple, actuels, on parle souvent d'or 18 carats, ce qui va changer la couleur et les propriétés. Effectivement. Et en or et en Chine, l'or était encore assez rare aux époques très anciennes. Donc la première dynastie archéologiquement attestée en Chine, la dynastie des Shang, on est entre environ 1500 et 1046 avant notre ère, produisait des petits objets comme cette paire de boucles d'oreilles avec de la turquoise, qui est très particulière et très spéciale justement parce que c'est l'œuvre la plus ancienne de notre exposition et ça représente justement cette rareté encore de l'or où il n'apparaît pas sur des gros objets encore et pas dans des quantités... Donc quelle chance d'avoir cette pièce aussi ancienne avec nous, puis quelle émotion, moi je la trouve vraiment extrêmement belle et elle vient expliciter, c'est pour ça qu'elle est dans cette première vitrine, elle vient expliquer les propriétés de l'or. Je trouve que assez parfaitement, on voit bien d'abord la malléabilité, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir former des plaques d'or, de pouvoir l'aplatir sans que ça se rompe, et puis la ductilité, qui est donc la possibilité d'étirer l'or en un fil assez long, et on le voit ici dans cette spirale, donc sans que le métal ne se rompe. Donc c'est une pierre que je trouve assez intéressante pour commencer notre parcours. Exactement. Dans cette belle collection, et bien les autres pièces, vous les découvrirez, elles expliquent aussi les propriétés. Très bien. Continuons donc cette visite dans notre exposition. Donc ici, Valentina, nous avons voulu représenter une chronologie de la Chine depuis les époques les plus anciennes jusqu'à la fin des dynasties. Parce que nous avons voulu montrer à notre public européen, français, à nos visiteurs, que la Chine, c'est moi ce qui m'a frappé en tout cas quand j'ai travaillé sur ce sujet, ce n'est pas seulement la Chine telle qu'on la connaît aujourd'hui et cette grande entité telle qu'on la connaît. Donc il y a des influences et on a voulu représenter à chaque fois une pièce de la collection. Effectivement, qui dialogue avec une œuvre représentative de l'art et de la culture matérielle de chacune de ces 9 étapes qui forme notre frise chronologique. Voilà, donc quelques étapes seulement, bien entendu, pas toute l'histoire de la Chine en 9 panneaux. Et donc, on entre ici dans notre salle principale avec les différentes vitrines que nous avons souhaité organiser par type de symbole. Donc, ce n'est pas une présentation chronologique, de la plus ancienne à la plus récente, mais regroupée dans chaque vitrine par symbole. Exactement. Et on arrive sur une première vitrine ou deux premières vitrines destinées aux objets de bon augure. Les objets de bon augure qui portent bonheur, donc qui représentent la prospérité, la longévité, la santé. Il y en a un grand nombre dans l'art chinois. Et un de ces objets qui sont souvent représentés sur des bijoux, en particulier des boucles d'oreilles, surtout à l'époque de Ming, est la double gourde. Cette double gourde qu'on retrouve effectivement énormément là, en 3 exemplaires dans cette première vitrine, avec vraiment celle-ci là, qui nous plaît beaucoup, avec ce grand pendant ici qui sert à maintenir la boucle d'oreille. On voit bien la double gourde. Double gourde, cette courge, cette cucurbitacée, qui est importante, très importante, et qu'on retrouve d'ailleurs, moi j'aime beaucoup cette pièce ici en céramique, qui est très importante parce qu'elle représente la longévité, la longue vie, donc la bonne santé. Effectivement. Pourquoi ? Parce que un des immortels taoïstes, Li Tieguai, il avait toujours cette calebasse, donc cette cucurbitacée de cette forme avec lui, qui devait contenir donc l'élixir de la longévité et même de la vie éternelle. Et donc, c'est pour ça que c'est un symbole de soin contre la maladie, aussi vraiment de longue vie. Et que l'on retrouve vraiment énormément, mais de nos jours, toujours, pour souhaiter une longue vie en Chine notamment. Pardon, dans cette deuxième vitrine, beaucoup d'éléments, pour ceux qui auront la chance de venir nous voir, vous les découvrirez. Et on a voulu faire un petit focus sur cette paire de boucles d'oreilles qu'on trouve vraiment extrêmement raffinée, extrêmement fine. Effectivement, qui représente des lanternes, donc à nouveau un sujet qui représente la festivité, la célébration. Il y a effectivement en Chine la fameuse fête des lanternes qui est présentée sur une peinture, par exemple, de la même période. On est toujours à l'époque Ming, où on voit l'empereur Chenhua qui fête la fête des lanternes, et on voit vraiment sur cette peinture des lanternes qui sont exactement de la même forme que ces boucles d'oreilles ici. Voilà, je crois que Laurent, les équipes formidables de Laurent nous vous montrent en même temps cette peinture. On voit bien la lanterne, et elle est faite d'une manière tout à fait particulière. Vous pouvez voir ici à l'écran sur le zoom l'extrême finesse. Tout cela est fait en fil, on parle d'une technique de filigrane, c'est-à-dire que les ouvriers, les artisans, vont étirer un fil d'une manière extrêmement précautionneuse, grâce au principe et à la propriété de la ductilité, qui nous permet d'étirer un fil
sans qu'il se rompe. Il va ensuite torsader ses fils et puis venir créer comme ça des petits motifs extrêmement fins. Pardon. Et celle-ci, eh bien, elle est mobile. Mm-hmm. Oui, donc quand on la portait, il faut s'imaginer que la dame de cour portait des lanternes qui pouvaient bouger comme un peu les vraies lanternes qu'on voit sur les bâtiments. Voilà, c'est extrêmement fin et extrêmement élégant. Effectivement. On passe donc à la prochaine vitrine qui est dédiée aux figures humaines. Donc les personnages et les figures humaines sont un sujet assez rare sur les ornements chinois, mais qui offre donc des thèmes variés. Oui. On a un focus sur une pièce que nous on trouve vraiment exceptionnelle, qui représente donc quatre cavaliers devant un palais. Donc c'est une scène tirée de l'opéra traditionnel de la dynastie précédente. Donc là, on est sous les Ming. Ça se réfère à une opéra de la dynastie Yuan, qui à son tour se réfère à une scène historique de la dynastie Tang, donc qui s'appelle les quatre cavaliers qui se rendent ou qui rejoignent la dynastie Tang. Voilà. Et vous pouvez voir sur les détails. J'espère que vous avez un super zoom pour voir comme nous tout ce détail. Ah, notre cameraman, il est voilà. Merci de montrer vraiment tous les détails, la finesse. On voit les briques du mur, on voit vraiment tous les cavaliers, on voit presque l'expression des visages. C'est donc c'est une pièce assez importante qui est un mangguan. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est que le mangguan ? Le mangguan, c'est une pièce caractéristique de l'époque Ming, c'est un élément du chignon. En fait, c'est une espèce de structure de chignon artificiel en Chine, qu'on pouvait avoir en fil d'argent, en fil d'or. Le diji, tu nous exactement, avais dit. Le ça diji, s'appelle. Exactement, sur lesquels on plaçait donc des épingles de différentes formes avec un nom précis et une fonction précise. Donc le mangguan, qui est ce nom très précis, qui était une pièce qu'on plaçait derrière, donc juste au-dessus de la nuque, et qu'on voyait que du coup quand on était derrière la personne qui le portait. Parce que ce que tu nous dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de hasard en Chine. C'est-à-dire que chaque pièce et chaque détail, il est là pour une raison bien particulière. Donc même cette partie qui était quasiment cachée, elle signifiait déjà beaucoup de la personne qui le portait. Exactement. Continuons sur une autre de nos vitrines dédiée aux oiseaux et aux insectes. Exactement. Et donc ici, nous avons deux pièces, dont une très jolie cigale. Oui, vous arrivez à la voir ici, cette cigale qui est délicatement déposée ici sur son support et très finement ouvragée. Et la cigale, elle est extrêmement importante en Chine, puisque depuis extrêmement longtemps, quand elle était gravée et découpée dans un morceau de jade, elle était positionnée dans les orifices des défunts pour conserver le chi, l'énergie vitale, et ainsi promouvoir et développer une longue vie. Donc elle a toujours été le symbole de la longévité, de la longue vie. Celle-ci, bien entendu, n'était certainement pas utilisée dans un contexte funéraire, mais elle reprend en tout cas tous les codes de ce symbole très auspicieux. Exactement, et avec un travail de filigrane, là aussi, très intéressant. Oui, très, très, très finement découpé, gravé. Il n'y a pas de système d'accroche, donc elle était peut-être brodée sur des vêtements. Peut-être combinée à d'autres éléments. Pas beaucoup d'informations, mais voilà, la finesse de ce travail. On répète, Ming, 1368-1644. Exactement. Et puis, nous avons une vitrine destinée aux oiseaux. Les oiseaux qui sont vraiment un des thèmes les plus récurrents, les plus connus dans l'art chinois, souvent associés aux insectes, mais aussi aux fleurs. Et il y a même un genre de peinture qui était destiné justement aux fleurs, aux oiseaux, ensemble. Et ici, du coup, on arrive ensuite sur les vitrines destinées au monde floral et donc et au monde végétal également. C'est bien pensé, finalement. C'est pas très loin des oiseaux. On arrive à cette vitrine importante, beaucoup de fleurs. Certaines sont, on peut les reconnaître. Oui, on a par exemple la fleur de prunus, très importante, parfois des pivoines, des chrysanthèmes, d'autres qui sont des fleurs un peu plus stylisées, dont on n'arrive pas forcément à identifier l'espèce exacte. Deux autres vitrines qu'on aime beaucoup aussi, ce serait difficile d'ailleurs de vous dire laquelle on préfère, mais celle-ci on l'aime aussi tout à fait, elle nous parle et elle nous montre, elle nous représente des animaux. Certains animaux un petit peu mythiques, qu'on a du mal à vraiment à identifier, à différencier, et puis des animaux, là pour le coup, qu'on reconnaît tout à fait facilement, et notamment, j'espère que vous arrivez à bien voir cette plaque de tigre, qui est assez incroyable, nous, qui nous a beaucoup touchés et émus quand on l'a découverte. C'est une plaque extrêmement fine et c'est incroyable qu'elle soit arrivée dans ces conditions jusqu'à nous puisqu'elle date de la période des royaumes combattants, donc entre le 5e et le 3e siècle avant notre ère. Donc c'est une pièce très ancienne qui donc appartenait aux populations nomades du nord et nord-ouest de la Chine.
et qui donc véhicule donc toute cette histoire de transmission du pouvoir militaire, les scènes de combat animaliers la puissance évidemment, avec cette position aussi du tigre qui est très majestueuse. Oui, et puis que les prêteurs, les propriétaires nous ont demandé de présenter dans une deux trois quarts en fait. Elle est pas assise, le tigre n'est pas assis, il n'est pas couché, mais il le voit. Et il l'imagine bondissant, donc ce qui exprime encore plus ce côté, la puissance, l'énergie de cette plaque. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les détails, mais l'épaisseur, c'est extrêmement fin, c'est un dixième peut-être de millimètre, sur une plaque extrêmement gravée, extrêmement bien travaillée. Voilà, je trouve que c'est une pièce assez émouvante, donc qui était portée. Très probablement, avec des tissus ou du cuir, sur des couvre-chefs, là aussi. Par paire. Par paire, très probablement. On connaît, il y a un symétrique qui existe. Oui, exactement. Une belle pièce. Une très belle pièce. Si l'on continue à se diriger vers les autres vitrines, d'autres vitrines avec des symboles extrêmement importants que vous connaissez certainement, qui sont le phénix et les dragons. Donc deux symboles extrêmement connus, importants en Chine. Qui se trouvent, pas par hasard, au milieu de la pièce, justement, au centre de notre exposition. Associé, puisque souvent le phénix est associé au dragon, et quand c'est le cas, souvent le phénix représente plutôt l'impératrice et le dragon, comme on le verra plus tard, représente l'empereur. Donc on commence par notre vitrine de phénix, donc souvent associé à la féminité, pas exclusivement, mais de plus en plus avec le passé des siècles et des dynasties impériales, et c'est pour cela qu'on le retrouve sur plusieurs ornements féminins, en particulier sur un grand nombre d'ornements de cheveux et de coiffures féminines, comme cette pièce, cette épingle à cheveux, qui est en fait l'objet de notre affiche, de notre exposition. Exactement, on aime beaucoup cette épingle, ce phénix, qui est d'un détail assez exquis, et qui est en fait composé de deux plaques. Ce n'est pas un seul morceau d'or qui est travaillé, mais ce sont deux plaques qui sont martelées, très probablement sur une lame en bois peut-être, qui vient d'être appliquée et martelée, et qui ensuite, les deux plaques sont rassemblées. Si vous arrivez à voir, pour ceux qui viendront voir l'exposition, vous regarderez le détail du pourtour de la périphérie de cette épingle, et on arrive à peine à distinguer la jonction de ces, la soudure de ces deux plaques. C'est vraiment un travail extrêmement fin, extrêmement élégant. Une pièce que toute l'équipe a aimée tout de suite. Voilà, donc il fait la une de notre affiche. Un petit mot peut-être là sur cette plaque, parce qu'on voit deux phénix, ce qui est assez rare, mais je crois que tu nous disais que quand ils sont deux, les phénix, c'est qu'il y a un mâle et une femelle. Exactement, donc phénix, on le dit en chinois le fenghuang, et lorsqu'il est tout seul, c'est un fenghuang et plutôt associé à la féminité, mais lorsqu'ils sont deux, un peut être le feng, qui est le mâle, et un peut être le huang, qui est la femelle, et donc souvent, quand ils sont associés, ça peut véhiculer un souhait de mariage harmonieux ou de couple. Voilà, donc bon augure pour le mariage, avec ce travail exactement extrêmement précis et élégant, et l'on arrive... La grande vitrine, la vitrine du dragon, des dragons, devrait-on dire, parce qu'il existe plusieurs dragons. Exactement. Et ici, on n'en montrera que trois types de dragons, bien sûr, dans l'art chinois, il en existe beaucoup plus. On a le dragon le plus connu, celui auquel on pense quand on pense au dragon chinois. C'est vraiment le dragon qu'on appelle le long, donc un dragon avec des cornes, des écailles. Celui qui crache le feu. Celui qui crache le feu, souvent accompagné justement des flammes, des vagues et des nuages. Et que quand il est accompagné, au fait, quand il est représenté avec cinq griffes, comme vous le voyez peut-être sur la porcelaine, le plat en porcelaine qui est illustré, magnifique, montre vraiment ces cinq griffes, ça représente le pouvoir impérial et donc était strictement réservé à usage impérial et de la famille impériale. Oui, même si certains le portaient mais ne faisaient pas partie de la famille impériale, ils pouvaient jusqu'à risquer la vie à certaines époques. On ne plaisante pas avec les symboles. Exactement, et ça à partir du XIIIe siècle, on a vraiment des annales qui nous disent que c'était un sujet réservé à usage impérial. Est-ce que peut-être notre caméra arrive à nous montrer le dragon de ce bol ici, que exactement je trouve tout à fait formidable. Donc ce prêt assez incroyable du Musée des Arts Asiatiques avec un dragon. Et là, on a le vrai dragon long, en pleine puissance, avec ses griffes. Tout à fait, sur une très belle porcelaine monochrome d'époque Ming, donc de la fin du XVe siècle. Voilà, merci. Merci aux équipes. Donc ce dragon, on le retrouve sur cette grande parure qui ressemble presque à une couronne quand elle exactement était portée. Exactement, c'est presque comme un diadème.
Et ensuite, d'autres types de dragons, comme le dragon Chu, qui est un dragon plus petit, ça ressemble presque plus à un félin sur certaines pièces, comme par exemple sur une pièce de jade, où on voit plusieurs dragons Chu qui remontent le vase, justement. C'est un dragon sans cornes. Avec donc, on le reconnaît souvent parce qu'il est petit et il a donc ses petits cheveux qui sont, enfin cette crinière en petits stries. Et donc c'est aussi très utilisé sur les textiles, mais aussi sur les vases, sur la porcelaine, sur le jade. Et ensuite, un troisième type de dragon qu'on a sur des boucles d'oreilles, dans ce cas-ci, qui est le Makara. Là, ce n'est pas un nom chinois, comme vous pouvez vous en douter. C'est un nom donc sanskrit, puisque c'est un dragon qui vient en fait du répertoire hindou et qui est arrivé en Chine à travers le bouddhisme, et qui était très apprécié à l'époque des Liao, qui ont gouverné donc une ethnie khitane du nord de la Chine, qui a régné sur le nord de la Chine entre le 10e et le 12e siècle. Et donc tous ces dragons, ils symbolisent, ils véhiculent l'idée de force, de pouvoir, avec des petites nuances donc en fonction du type de dragon. Celui-ci qui est associé aussi à la mer, puisque justement Makara signifie dragon de la mer ou dragon poisson. Et comme on voit vraiment aussi sur... Oui, il a une queue de poisson, il a les écailles, mais ce n'est pas les mêmes écailles que le grand dragon, plus serpent finalement, le grand dragon long. Exactement. On voulait faire aussi un focus sur cet ornement tout à fait particulier, parce que si nous avons appelé l'exposition « Or et trésor, 3000 ans d'ornements chinois et non pas 3000 ans de bijoux chinois », c'est bien parce qu'il y a des objets que l'on a du mal à qualifier de bijoux, mais qui sont pour autant très importants et qui ont une signification que l'on connaît mal, en tout cas chez nous, en Europe, en France. Et par exemple, alors si je prononce bien, c'est ce « Peichui », qui est ici en forme de goutte, qui est un ornement qui venait se broder, se coudre sur ce qu'on appelle le charpei, cette grande étole qui venait orner les dames de cour, et donc qui venait maintenir l'étole en place. Donc c'est un poids en fait d'une élégance incroyable, en or extrêmement travaillé. Et si on arrive à faire un zoom assez joli sur la pièce, vous y verrez bien deux dragons, ces dragons longs, ces dragons puissants, qui viennent s'affronter, deux dragons, autour de la perle flammée de la sagesse. Exactement, donc vraiment un symbole de l'élite chinoise entre la dynastie des Song et la dynastie des Ming, donc entre, disons, le 12e, grosso modo, et le 17e siècle, donc un objet qui a été produit au cours de plusieurs dynasties. Exactement, alors parce que je sais qu'on a beaucoup d'amis qui s'intéressent aux perles, pourquoi la perle de la sagesse ? Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente justement la sagesse et le fait que le dragon est toujours en quête de la perle. C'est une métaphore pour le dragon qui est toujours en quête de sagesse. Et comme souvent le dragon, il est associé à l'empereur, c'est aussi l'empereur qui est en quête constante de la sagesse. Et donc, voilà, donc le pouvoir et la sagesse en même temps représentés à travers cet objet. Alors on ne l'a pas dit, mais on s'en doute, l'or rare en Chine, l'or pour tous ces ornements réservé à une élite, une élite sociale, impériale, qui était la seule à pouvoir porter ces objets-là. Exactement, donc la cour. Les dames et les personnages de la cour. Exactement. Ici, dans cette salle, et c'est un moyen pour nous de remercier toutes les équipes qui ont travaillé à cette scénographie, vous avez peut-être vu sur les images des équipes de Laurent deux magnifiques tableaux, paysages. Alors, un petit mot peut-être sur ce que cela représente. Effectivement, c'est comme un effet de fenêtre vers un paysage. Et donc, ce n'est pas plusieurs tableaux, mais c'est des morceaux, des sections d'un seul tableau. En fait, ce n'est pas un tableau, c'est un rouleau, parce qu'on parle de peinture chinoise, donc c'est une peinture de la dynastie Song, dont on est dans l'11e siècle, et qui est une peinture de Tuding, conservée au Metropolitan Museum, et qui a été retravaillée avec des couleurs et justement cette amplitude pour servir de paysage d'atmosphère de lettré de notre exposition. Exactement, donc on est là dans l'atmosphère des lettrés, nous venons de voir différents symboles dans nos différentes vitrines, et nous avons deux vitrines ici qui sont aussi elles-mêmes importantes, et qui viennent représenter non pas un seul type de symbole, mais vraiment un système symbolique que l'on a appelé donc l'art de la coiffure et l'art de la ceinture. Alors pourquoi s'intéresser, on a dit qu'il n'y a pas de hasard, mais pourquoi s'intéresser à l'art de la coiffure ?
Et parce que dans l'histoire chinoise, comme on l'a vu, il y a vraiment une énorme quantité, une énorme variété au fil de siècles d'ornements destinés à la coiffure. Parfois, ce n'était pas juste pour être attaché aux cheveux, mais vraiment des structures aussi artificielles, comme on a vu tout à l'heure le chignon. Et ici, c'est une nouvelle structure qui arrive avec la dernière dynastie impériale, les Qing, qui est une dynastie d'ethnie manchoue, et qui introduit cet objet qui est très particulier. Oui. Et on dirait peut-être pas au début que c'est un ornement de coiffure, mais c'est le cas. C'est un bianfang. Alors, et donc, c'était... comment ça marche? Exactement. Donc, c'est un élément, l'élément principal du lien bateau, que c'est cette coiffure manchoue. Donc, c'était cette barre qui pose sur deux fils, qui à son tour pose sur un diadème, et autour duquel on enroulait les cheveux, ou parfois avec l'aide du satin noir aussi, et qui donc devait tenir en place la coiffure et qui était pour la plupart couvert. Donc, structurer, organiser le chignon, la coiffure. D'une manière tout à fait spécifique. Ça existait depuis longtemps. Dans la culture manchoue, c'était probablement avec un autre type de bijoux, ou même parfois d'autres morceaux de bois, ou même de os, c'est possible. Mais ça n'existait pas en Chine avant. Donc c'est vraiment une introduction de la dynastie manchoue. Beaucoup d'exemples ici, en tout cas 5 exemplaires différents. Certains, vous les voyez, ils n'ont pas cette couleur dorée, ou en tout cas moins que sur d'autres éléments, parce qu'en fait, ils sont en argent doré. Donc, ils ont une petite couche d'or seulement à la surface de l'argent. Cela se faisait grâce à un amalgame de cuivre que l'on venait déposer sur l'argent, puis en faisant chauffer la matière, le mercure s'évapore et la couche d'or vient se déposer à la surface de l'objet, du bianfang ici. Et on voulait vous parler un peu plus précisément d'une de ces barres, qui est celle-ci, un petit peu plus large, avec des symboles intéressants. Exactement. Donc, il faut penser que même si on ne voyait pas, pour la plupart, les symboles sur la coiffure, parce que l'ornement était enroulé par les cheveux, mais en tout cas, tous ces objets et des symboles de bon augure avaient un effet aussi talismanique, donc on les portait sur soi. Et donc, la barre au milieu, elle représente trois arbres très connus, donc le bambou, le pin et le prunus, qui sont les trois amis de l'hiver. C'est un symbole souvent très apprécié par le milieu confucéen, puisque les vertus, donc c'est des plantes qui résistent au froid de l'hiver, et donc qui représentent la vertu de la résilience, la résistance. C'est toujours tellement poétique. Exactement. Et donc, les premières fleurs du prunier aussi, du prunus, abricotier, qui viennent éclore à la fin de l'hiver, au début du printemps. Exactement. Et puis, sur ces ornements, des éléments aussi intéressants que vous voyez, tout ce qui est en bleu représenté sur ces barres ici, eh bien, ce ne sont pas des pierres, ce n'est pas de la laque, ce n'est pas de l'émail, mais ce sont des plumes de martin-pêcheur. Et ça, c'est assez spécifique, assez représentatif aussi, d'ailleurs, de la période de la dynastie Qing. Ça existait probablement avant, même s'il y a peu d'exemples, parce que c'est quand même assez fragile. Et en plus, vous imaginez bien que tout cela était porté à l'intérieur des cheveux, du chignon. Donc voilà, c'était manipulé quand même d'une manière importante. Donc ces plumes de martin-pêcheur, eh bien, elles sont découpées et elles viennent comme ça coller, former les motifs. Alors, on dit que ce sont des martins-pêcheurs qui viennent du Cambodge parce qu'ils ont les plus belles plumes, etc. Donc, c'est vraiment toute une tradition et un travail assez important. Qui sert presque d'effet de cloisonner, en réalité. Oui, parce qu'il y a une petite, effectivement, un petit liseré qui vient marquer la limite. Je ne sais pas si on a le temps de montrer aussi, parce qu'on a un petit peu de temps, ce joli peigne-là, qui est notre seul exemple de granulation. C'est vrai. J'en profite de cette vitrine pour vous montrer ça. Ces toutes petites billes, ces petits grains que vous voyez à l'intérieur, j'espère que vous le voyez bien, c'est de la granulation, c'est un joli peigne qui était... servait à coiffer, bien entendu, mais qui était aussi positionné dans la coiffure. Très probablement, les peignes en Chine venaient souvent positionnés dans la coiffure, souvent sur un gros chignon, et qui devaient aussi donc servir d'épingle, en réalité, en plus de peigne. Et ce qui est très intéressant aussi, qu'on voit encore une gemme verte, et tandis que les autres, très probablement, étaient perdus. Sont tombés, ont disparu. Donc, vous retrouverez des dragons, tout un système d'épingles qui portent des noms différents, en fonction de leur utilisation, du nombre de pics. Tout ça est très, encore une fois, codifié et très important pour le système de la coiffure. Et un autre système symbolique très important, dont on ne se doutait peut-être pas, en tout cas moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, qui est tout le système symbolique de la ceinture. Exactement. Parce que la ceinture, certes, elle sert à tenir le pantalon, mais pas seulement.
Exactement. En fait, la ceinture, c'est un objet d'origine nomade, en réalité, puisqu'il faut penser qu'on est à cheval. En tant qu'on est des cavaliers, on a besoin d'avoir sur soi des petits objets. Donc, justement, elle servait pour attacher des objets sur soi, mais aussi l'épée. Et donc, elle a une fonction pratique, mais aussi une fonction militaire. Et c'est ça, en fait, cette importance de la ceinture, mais qu'on voit après se diversifier dans les sujets. Et si parfois on voit, comme on voit des animaux de combat, ouais, plutôt de la sphère militaire, parfois on peut voir aussi des sujets qui viennent vraiment du répertoire traditionnel chinois, comme par exemple ce lettré. Des lettrés habillés presque vraiment en lettré song ou qui fait presque référence à Confucius, si on veut, qui joue la sitar chin dans un jardin. Donc c'est une scène presque bucolique, en fait, une scène très philosophique qui contraste avec la fonction originale de la ceinture qui avait cette fonction militaire. Donc demain, on installera une sitar et puis tu pourras nous jouer un morceau pour se rendre compte de toute la sagesse, parce que là, on est aussi dans la même dichotomie, j'allais dire, mais en tout cas dans la même dualité de l'empereur, du dragon, de la perte de la sagesse. Les lettrés et les puissants devaient aussi, à ces époques-là et par la suite, avoir une connaissance de lettré. Donc il y a ces ceintures qui deviennent presque plus ornementales en réalité qu'avec une fonction pratique concrète. Est-ce qu'on a le temps de regarder peut-être en quelques minutes rapidement avant de passer aux suivantes cet élément de ceinture, puisque d'abord bien entendu élément de ceinture, mais il a un sujet aussi qui vient nous intéresser, c'est un beau dragon. Exactement. Quel dragon, vous le reconnaissez ? Et cette fois-ci, je ne sais pas si vous arrivez à le voir au-delà de l'écran, c'est un dragon qui a 5 griffes. On voit les 5 griffes, cher ami ? Oui, on voit les 5 griffes. Donc c'est vraiment un dragon long avec donc ses écailles. Donc un dragon impérial. Donc un dragon impérial avec ses 5 griffes, avec cette magnifique composition aussi de nuages qui prennent la forme en fait de petites volutes. Ça vraiment... Est-ce que c'est les rouilles? Exactement, et c'est ce qu'on appelle en chinois les rouilles, des rouilles qui sont des symboles en fait là aussi de bon augure, puisque rouille littéralement en chinois veut dire comme vous le souhaitez. Donc là aussi vraiment un symbole sur un symbole. Mais voilà, encore une fois, pas de hasard, beaucoup de symboles, on peut lire à différentes échelles, à différents niveaux. On n'a pas évoqué tous les nombreux symboles et puis toutes ces homonymies aussi qui nous permettent de jouer avec les symboles, les systèmes d'accroche de ceinture ici, extrêmement ouvragés. Donc on espère que vous aurez la chance et le bonheur de venir ici à l'exposition pour les voir et voir la finesse du travail. Et on voulait continuer, avant de conclure, vous emmener sur cette peinture, j'allais dire, en tout cas sur ce travail qui a été proposé par notre graphiste pour mettre en valeur justement les ceintures, les ornements de coiffure, grâce aux portraits, des portraits importants, qui sont les portraits de l'empereur Yongle et de l'impératrice Rian Xiaowen. Voilà, si j'essaie de prononcer correctement, de la dynastie Ming. Alors, ce sont des portraits officiels, et donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir lire ces portraits, de les déchiffrer avec toi, pour comprendre comment et pourquoi ces ornements sont importants. Donc, ce qui est très intéressant, c'est des illustrations basées sur ces portraits officiels qui se trouvent au musée du palais de Taipei. Et ce qui est intéressant, c'est déjà, on voit l'empereur Yongle, qui règne au début de la dynastie Ming, au début du XVe siècle, qui ne porte pas d'ornement, sauf une ceinture. Donc il choisit vraiment de porter une ceinture, il ne choisit pas justement de se faire représenter avec une ceinture, mais aussi de la tenir. Donc, oui, il n'y a pas de hasard. Donc si on le voit là qui tient, ce n'est pas parce qu'il est en pose, mais c'est vraiment important. Il veut vraiment souligner cet élément. Qu'est-ce qu'il symbolise alors en tenant sa ceinture ? Ben, très probablement, le pouvoir militaire, tout ce qu'on a dit déjà sur la ceinture, mais en plus, ce qui est très intéressant, c'est que son prédécesseur, l'empereur Hongwu, qui est le premier empereur des Ming, il portait une ceinture avec des plaques en jade. Sur son portrait officiel. Sur son portrait officiel. Et lui, sur son portrait officiel, décide de se faire représenter avec une ceinture qui porte des plaques en or et gemmes. Et la même chose, ce sera pour son successeur, qui est l'empereur Xuande. Ce n'est pas au hasard, là aussi. Bon. C'est une période où il y a les grandes expéditions militaires en Chine, les expéditions de l'amiral Changhe, qui donc rapportent aussi des gemmes
et probablement aussi de l'or de l'Asie du Sud et même de l'Asie du Sud-Est. Exactement, ça me permet de faire un petit commentaire. C'est vrai que vous avez vu assez peu de gemmes finalement dans tous les ornements qu'on a vus jusqu'à présent et dans les vitrines quand vous viendrez visiter l'exposition. Assez peu de gemmes jusqu'à cette époque-là et même à partir de cette époque-là, assez peu puisque réservées vraiment à l'élite, à l'empereur, même sur des pièces en or. C'est extrêmement rare. Du jade, bien entendu, qui était connu et utilisé depuis très longtemps, mais vraiment toute cette quantité de gemmes probablement rapportée grâce aux grandes expéditions. Et on voit le dragon aussi, là, ce qui est intéressant. Exactement. Ce dragon à cinq griffes qui est brodé. Exactement, avec sa perle flammée aussi. Des perles flammées, juste ici, et même des nuages en forme de rouille à nouveau, exactement comme on a vu sur le roman. Donc tous ces symboles de la puissance, du pouvoir, du dragon à cinq griffes, et que l'on retrouve donc sur le portrait de l'impératrice. On voit le dragon. On voit bien, très bien ce dragon à cinq griffes, juste au milieu, donc qui est un signe très fort du pouvoir impérial, mais qui est accompagné de deux phénix. C'est une impératrice, donc elle porte une couronne de phénix qu'on appelle le Fengguan. Et donc, elle a deux épingles en parallèle qui rappellent vraiment en fait, l'épingle d'époque Song qu'on a vu tout à l'heure. C'est quasiment la même. Exactement, on est 200 ans après, mais en réalité, on voit une continuité avec des différences de style, mais une continuité iconographique. Et ce qu'on disait aussi sur les gemmes, elle a une couronne en plume de Martin Pêcheur également, en or, mais aussi avec une multitude de gemmes et de perles. On voit les perles. Et puis, si vous vous souvenez peut-être de notre bec de notre phénix qu'on a vu tout à l'heure dans la vitrine, il était un petit peu ouvert et très certainement, comme ici en tout cas c'est le cas, on pouvait y accrocher toute une série d'ornements, de pendants en perles, en gemmes que l'on retrouve ici sur cette représentation. Vraiment, le phénix est quasiment, quasiment le même. Et la boucle d'oreille. Exactement, les boucles d'oreilles en forme de double gourde. Celles-ci, probablement, comme elles sont blanches, en néphrite blanc, en jade blanc, mais qui étaient, comme on l'a vu tout à l'heure, représentées aussi en or, pouvaient être en argent doré, en or agrémenté de gemmes, comme les pièces qu'on a vues au tout début de notre salle. Exactement, avec cette grande système d'attache que l'on voit ici, qui était certainement, quand nos visiteurs viennent nous voir et quand on fait les visites, pas facile à installer et à porter. Exactement, et qu'on a vu d'ailleurs en principe aussi sur les boucles d'oreilles du début de la dynastie Yuan, par exemple, avec cette vraiment attache qui se retrouve souvent sur les boucles d'oreilles de l'époque des Ming. Exactement, donc on est allé vite, on a peut-être le temps de parler d'une autre pièce qui nous tient à cœur avant de rendre l'antenne. Et par exemple, on peut retourner ici sur les objets de bon augure pour parler de ce système des huit symboles que l'on retrouve ici sur ce collier. Exactement. Donc, on a vu ces symboles, pour ceux qui viendront à l'exposition, aussi sur des éléments de coiffure. Les huit symboles, là aussi, c'est à nouveau une iconographie bouddhique. Et donc pas chinoise à l'origine, mais qui a été intégrée, assimilée pour la culture chinoise, c'est les Ashtangala, donc en sanskrit, c'est les huit symboles bouddhiques, qui, donc, c'est des symboles aussi de bon augure. On a par exemple la roue du Dharma, c'est la loi du Bouddha, on a la conque, le nœud éternel, le double poisson, et ça, on le voit sur beaucoup d'ornements, et là aussi, ça, c'était une façon de porter bonheur. Exactement. La sapèque aussi, on le retrouve sur ces bianfeng à nouveau. Donc tout ça, très auspicieux. Le poisson, c'est pas ici sur celui-ci, mais on a une chauve-souris. Moi, j'aime beaucoup celui avec la chauve-souris, le fou, qui est vraiment très, très symbolique. Là, on voit la sapèque, donc à chaque fois, très auspicieux, très symbolique, très talismanique, donc porté sur soi. Et donc la sapèque, qui est la monnaie, la pièce de monnaie avec un trou carré, et qui est représenté deux fois, enfin quatre fois même, deux fois avec les plumes de Martin Pêcheur et deux fois avec un décor vraiment en argent doré ajouré, et qui était donc, en étant le symbole de la monnaie, c'était vraiment un symbole de richesse. C'est là, pour le coup, un souhait de richesse. Et donc, vous voyez, assez peu de gemmes, même si on est assez tardif, peut-être de la cornaline qui est gravée, peut-être quelques pierres rouges, peut-être des spinels. C'était difficile de faire l'analyse de ces pièces quand on les a eues en main. Pour faire l'analyse, les pièces sont serties. Donc, vous voyez tout le travail qui est réalisé aussi pour faire tenir les gemmes. Vous verrez, et en tout cas sur notre catalogue et sur l'exposition, toutes les techniques que l'on a explicitées en les présentant sur différents panneaux pour expliquer la granulation, pour expliquer le filigrane, pour expliquer tout le système de martelage, de sertie. Donc, voilà, tout le travail qui est effectué sur ces objets. Exactement.
Le collier aussi, parce qu'on nous pose beaucoup de questions sur ce collier, puisqu'il est asymétrique, et ça interroge beaucoup nos visiteurs. Et là aussi, on a une pièce qui est d'une ethnie qui, à l'origine, n'est pas chinoise, donc l'ethnie Khitan, dont on a parlé tout à l'heure, qui règne sur le nord de la Chine entre le Xe et le XIIe siècle. Et dans plusieurs tombes, ou de, voilà, le contexte funéraire, les archéologues ont retrouvé ces colliers avec... ce couple de pendentifs, toujours de la même forme, un cylindre et une goutte, ou plutôt une forme ovale. Et c'était vraiment caractéristique de l'époque. Celui-ci, en plus, ou ce deux en cristal de roche. Oui, c'est assez intéressant, justement, de voir le travail qui est repris dans, dans les billes du collier. Et qui présente à nouveau un décor tapissé vraiment de Louis, qui est un autre symbole de bon augure. Exactement. Quelle est la pièce suivante qu'on doit montrer? Si on retrouve pour la double gourde, parce que tu voulais montrer des chauves-souris. Exactement. Nous avons des chauves-souris aussi sur cette porcelaine du musée Guimet. On aime beaucoup cette porcelaine parce qu'elle c'est une sorte de mise en abîme. Exactement. Justement de tous les symboles que l'on vient de voir, à la fois sur la double gourde, sur le fou de cette chauve-souris, et puis la forme bien entendu de la double gourde, de l'objet du vase. Et donc effectivement, tu as dit fou, chauve-souris, et c'est ça qui est intéressant, la chauve-souris porte bonheur en Chine, parce que fou, c'est une homophonie entre l'animal, la chauve-souris qu'on dit fou, et le terme bonheur qu'on dit aussi fou en chinois. Donc cette homophonie rend la chauve-souris un élément, là aussi, auspicieux et de bon. Voilà, donc on vous souhaite beaucoup de fou pour la fin d'année, pour l'année prochaine. Est-ce qu'on est arrivé à notre fin de présentation? Ben oui, alors je regarde les gens qui nous regardent. 45 minutes, question, mais on est parfaitement dans les temps. Okay. On peut peut-être retourner devant le portrait de l'impératrice et de l'empereur pour leur rendre un dernier hommage, et puis surtout vous remercier de votre attention, je suis sûr de vos très nombreuses questions, ce qui nous donne l'occasion de remercier toutes les équipes qui ont participé à cette présentation et à l'organisation de cette présentation, et je t'en prie très chère Céline, merci d'avoir joué le rôle auprès de notre public et d'avoir récupéré les questions et répondu, je sais avec Paul, qui est aussi derrière l'écran, à de nombreuses questions, mais il y a peut-être des questions qui restent en suspens pour Valentina surtout, j'imagine. Effectivement, merci à vous deux, à Valentina et Olivier. Plusieurs questions d'ordre gémologique, d'ordre historique. La première question, d'un point de vue peut-être historique, la question des ateliers. Est-ce qu'on a, d'un point de vue archéologique, identifié des ateliers de fabrication? Alors, effectivement, très 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 bonne question. Malheureusement, il n'y a pas une réponse unique parce qu'en 3000 ans d'art chinois et d'ornement chinois, la situation change très souvent. Et évidemment, plus les époques sont anciennes, moins on a des informations écrites et archéologiques aussi qui nous donnent des informations sur cela. Mais pour les dernières dynasties impériales, effectivement, on le sait, par exemple sous les Ming, il y avait vraiment un département au sein de la cité interdite, le Yinzhuoju, qui produisait des objets pour la cour et des objets notamment en or et en argent doré. Donc ça, c'est vraiment une institution établie sous les Ming. On le sait aussi, sous les Qing, il y avait plusieurs ateliers, notamment ceux qui étaient faits en or et en argent doré, mais aussi combinés avec des ateliers à Canton, par exemple, pour les plumes de Martin Pêcheur. Oui. Donc ça dépend aussi des matériaux. Des sujets, des techniques. Et pour les époques plus anciennes, c'est plus difficile à savoir. Il y a sûrement, pour la période où il y a un échange très fort avec les populations nomades, donc on était à la période des royaumes combattants, là, sûrement, il y a très, très probablement une collaboration aussi entre artisans chinois, artisans d'origine plutôt nomade, et on ne connaît pas exactement où étaient les ateliers, mais très probablement une collaboration aussi inter-ethnique. Oui, exactement. Alors, on vous enverra une bibliographie et quelques éléments. Et je pense qu'il faudra qu'on remarque le Yingzhuozhu, là, parce que ce n'est pas facile à retrouver. Je pense que ce sont des éléments qui vont intéresser notre public. Exactement. Valentina, merci. Tu parlais à l'instant de nomadisme. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le bijou site au cœur même de cette exposition, puisque là, on a parlé de figures animales. Oui, on a vu peut-être quelques éléments qui ressemblaient, c'est vrai, pour ceux qui connaissent, parce que l'art site, on a eu des expositions en France, des ouvrages, et peut-être que notre public est peut-être plus sensibilisé à cette iconographie. Je pense à une pièce qui, d'ailleurs, était exposée dans l'exposition de Hong Kong et qui n'est pas ici, mais qui était vraiment très proche de l'iconographie qu'on voit. Je cite, c'est celle du cerf avec des cornes qui font presque, qui forment des boucles. Mais que l'on retrouve ici aussi sur le cerf un petit peu. Et que l'on retrouve sur les petits cerfs, effectivement. Mais celle-là était vraiment
un peu un symbole vraiment de ces échanges. Et donc les cultures de l'ordos en Chine, donc dans le nord, de le plateau de l'ordos, qui parfois sont considérées comme la frontière orientale de la culture Scythe. Je vois que notre caméraman expert se précipite sur la pièce. Voilà, j'espère que vous arrivez à la voir en même temps. Ah non, vous n'êtes pas précipité sur la pièce. Allez, je viens vous la montrer pendant que vous restez ici. C'est celle-ci, là, que l'on voit par l'autre côté. Par l'autre côté, là, et vous allez la voir. Voilà, vous allez la voir à l'écran, comme ça, ça va vous montrer en même temps. Allez, je reviens dans le champ. Voilà, on l'a. Merci. Les équipes de Laurent sont formidables. Travail d'équipe, effectivement. Il y a énormément de questions, des questions aussi d'ordre gémologique. Et il y a une question dédiée à la notion de Kara, finalement. Quelle est l'origine de ce mot? Oui, on ne l'a pas évoqué, c'est vrai, c'est une bonne question, merci. Le Kara, c'est un mot qui est dérivé de la graine de caroubier. D'où l'étymologie de karat. Et cette graine, elle a la particularité, donc le caroubier, un arbre méditerranéen qui fait des longues cosses comme ça, et à l'intérieur, vous allez trouver des petites graines. Et ces petites graines, une fois séchées, eh bien, elles ont la particularité d'avoir un poids constant en fonction des conditions hygrométriques, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, qu'il fasse sec, en fonction des voyages et des saisons. La masse, le poids, est quasiment constant et environ 0,2 g. Donc c'était un moyen, à l'époque, avant qu'on ait des systèmes de balance extrêmement précises, de faire la tare sur les balances et donc de peser les éléments, les bijoux, les objets qui ont une masse très faible. Et quand on a reçu la pièce, le solidus dont on parlait en introduction, qui fait partie des collections de l'école, donc je l'ai mise dans une balance à double plateau, extrêmement simplement. J'ai mis 24 petites graines de caroubier et donc on avait le plateau à l'équilibre. Donc vous retrouverez une photo dans notre catalogue pour ceux qui ont le bonheur de venir nous retrouver ici à l'exposition. Vous aurez le Connaissance des Arts Or et Trésor que vous retrouvez aussi de toute façon en vente. Donc vous pourrez retrouver les éléments. Et donc cette photo du Kara. Alors merci beaucoup pour cette belle réponse. D'un point de vue technique, alors vous avez à plusieurs reprises parlé du filigrane. On pourrait aussi évoquer la technique du martelage. Qu'est-ce que l'on pourrait préciser pour cette technique qui finalement dans l'exposition est extrêmement importante? Effectivement, donc une technique très ancienne. Aucune technique n'est vraiment développée en Chine, mais les techniques sont plutôt importées justement par les routes de la soie, par ces artisans dont on parlait précédemment, qui viennent avec leurs techniques. Mais une technique assez simple finalement, puisqu'il suffit de taper avec un marteau, avec un outil sur une forme, sur une plaque d'or, sur une forme d'abord pour la transformer en plaque, et ensuite venir ciseler un peu plus précisément avec des outils un petit peu plus fins pour donner les formes. Et très probablement, pour certains objets, alors peut-être pas ceux en or, parce que ce sont quand même des objets très raffinés, mais sur des objets, pourquoi pas ceux-ci, mais plus facilement en argent, ou en bronze, des systèmes de dames en bois qui donnent la matrice, qui donnent la forme, et sur lesquels ensuite la plaque est martelée et façonnée pour donner le volume et qui permet aussi de reproduire de manière plus importante les formes. Mais quand on a des... Par exemple, vous vous souvenez de notre phénix avec ces deux plaques extrêmement bien ajustées, peut-être qu'il y a eu justement un travail d'âme qui permet de bien ajuster les deux plaques. Donc oui, une technique extrêmement importante et très répandue en Chine et bien entendu autour du monde. Et si on reste dans cette notion de savoir-faire et de transmission, l'or dans la création contemporaine joaillère en Chine ou en Asie, est-ce que l'or est largement utilisé? Ça, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises. Alors, je peux parler de la matière peut-être avant tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine, on l'a dit au tout début, l'or ne se trouve pas en Chine. Mais aujourd'hui, et depuis 2008, si je ne me trompe pas, la Chine est le premier producteur d'or au monde. Donc, il y a des gisements qui ont été découverts. Et donc, retour de l'histoire, à un moment où, il y a 3000 ans ou un peu plus, eh bien, voilà, l'or était extrêmement rare. Aujourd'hui, c'est le premier pays producteur au monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout cet or-là? C'est certaines maisons de joaillerie contemporaine en Chine.
créer des objets qui ressemblent aussi beaucoup à certains des objets qu'on a vus aujourd'hui. J'ai vu récemment dans un voyage que j'ai effectué en Asie, justement des boucles d'oreilles d'or en forme de double gourde, mais aussi une épingle à cheveux, par exemple, avec un décor de phénix. Donc, évidemment, une interprétation contemporaine d'un épingle à phénix d'époque Song. Et d'autres sujets, parfois pour les mariages, justement, comme le dragon et le phénix. Oui. C'est aussi l'homme et la femme. J'ai vu des boucles d'oreilles, justement, un dragon et un phénix, comportent que l'épouse porte. L'importance de ces symboles, actuelle et vivace aujourd'hui. Exactement. Mais alors, peut-être que l'épingle n'est pas portée dans le même contexte de l'art de la chevelure, mais en tout cas du symbole. Mmh. Et puis des ancêtres, je crois qu'en Chine et dans la tradition chinoise, l'importance de l'ancêtre, donc de marquer aussi la lignée et la tradition. Bien sûr. Effectivement, alors Paul, notre collègue qui est avec l'équipe en régie, a une autre question. Qui n'a pas voulu se montrer à la caméra. Merci, Paul. La question dédiée aux inscriptions. Il y a beaucoup d'images, une forte valeur symbolique. Il y a peu d'inscriptions, en fait, sur les bijoux. Ah, de textes. Oui, voilà, les textes. Est-ce que dans l'histoire du bijou chinois, l'inscription, je sais pas, à fonction religieuse, politique, est présente? Alors, sans doute, là, je pense tout de suite, quand j'ai pensé à inscription sur du métal, j'ai pensé à l'inscription sur les bronzes, qui était à l'époque archaïque, à l'époque vraiment sous les Shang. Les objets les plus précieux, c'était vraiment des grands bronzes sacrificiels. Oui. Là aussi, chaque forme avait un nom précis, une fonction précise. Et dans beaucoup de ces pièces, qui d'ailleurs sont grandes, elles ont une surface aussi qui se prête plus à des inscriptions que des petits objets comme des petites boucles d'oreilles. Là, on a vraiment des inscriptions très articulées, souvent soit qui parlent des cadeaux. En fait, c'est une commande d'un certain duc ou un certain roi. Il faut penser que ce n'était pas encore un empire unifié. Donc la Chine était très fragmentée. Mais aussi, par exemple, des alliances. C'était parfois des cadeaux donnés à des alliances de royaumes. Et on écrivait, par exemple, ceci marque l'alliance du royaume. Dans un concept, système de dons et de contre-dons. Exactement. En fait, de cadeaux diplomatiques qui n'est pas juste un cadeau pour évidemment faire plaisir, mais pour sceller des alliances. Mais ce qui est intéressant, avec les homonymies, c'est que justement, on n'est pas dans le même système d'écriture tel qu'on peut le penser, nous, ici, en Europe, ou avec notre écriture cursive. Mais on l'a dit tout à l'heure, avec la chauve-souris, en fait, et le symbole, en fait, grâce au dessin, on peut exprimer du texte et on peut exprimer des mots. En fait. Donc c'est aussi assez puissant de passer par ce système-là qui est offert par le monde chinois, mais qui n'est pas offert par notre culture. Il y a une autre question. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a des bijoux purement masculins, d'une part, et des bijoux purement féminins, d'autre part? Oui, toutes les épingles à cheveux avec des fleurs, les oiseaux et les phénix sont des épingles pour la dame de cour. Donc c'est exclusivement féminin. La ceinture en soi n'est pas exclusivement masculine, puisqu'on a des portraits de dames de cour qui portent des ceintures, mais après ça dépend aussi de l'iconographie qui est dessus. Donc très probablement, une ceinture qui porte un lettré qui joue la cithare, c'était une ceinture masculine. Mais ça ne veut pas dire que la ceinture est exclusivement masculine en soi. Qu'est-ce qu'on trouverait sur une ceinture féminine comme symbole? Des fleurs. Parfois des dragons, des fleurs, souvent aussi des travaux en jade, donc avec un travail floral très ajouré. On peut avoir. Donc il y a parfois des thèmes qui sont exclusivement pour l'homme ou pour la femme, mais l'objet n'est pas forcément toujours destiné à la boucle d'oreille. La boucle d'oreille, on le retrouve aussi pour les hommes. Après, sous les Ming, on voit beaucoup plus les femmes porter des boucles d'oreilles par rapport aux hommes. Mais par exemple, la dynastie précédente, qui est la dynastie des Yuan, c'était une dynastie mongole, les boucles d'oreilles étaient vraiment beaucoup portées aussi par les hommes. Mais ça, on le voit sur les portraits. Donc ça dépend aussi, toute époque n'est pas pareille. Donc il faut absolument étudier les portraits pour retrouver les ornements chinois et toute cette littérature et cette iconographie extrêmement importante. Alors, un grand merci à vous deux, Valentina et merci, Olivier. Céline. Merci beaucoup à tous nos auditeurs et pour vos questions également. Nous ne manquerons pas d'y répondre individuellement. Vous pourrez nous retrouver demain pour une conférence en ligne sur le même thème. Avec In English, bien évidemment, d'une part. Et d'autre part, n'hésitez pas à venir ou à revenir à l'école pour découvrir notre exposition qui est proposée jusqu'au 14 avril 2023. Voilà. Merci, très belle soirée. Merci à bientôt. À bientôt, au revoir.